Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au samedi 11 juin 2022, samedi jour dédié à la Vierge Marie. Qu'elle nous soutienne et qu'elle soit notre secours tout au long de ce jour. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Chers amis, Jésus dans l'évangile de ce jour nous invite à vivre dans la vérité dans toutes les occasions, à adapter notre pensée, nos actes et nos paroles de chaque jour à la vérité. De nos jours, nous observons que la vérité est de plus en plus créée et sert nos intérêts. Ce qui nous pousse à dire oui quand c'est non, et a dit non quand c'est oui. Frères et sœurs, suis-je une personne qui aime la vérité? Dans mon service, dans mon quartier, ma famille, à l'école, est-ce que je dis la vérité? Ou facilement pour sauvegarder mes intérêts, j'étouffe la vérité? Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui aiment la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.